que Michiwa est tombé amoureux de Kenzo. Normalement, il devait aussi se marier, mais bon, l'amour n'a pas pu se concrétiser. Résultat, elle s'est mariée avec un deuxième qui s'appelait Kenzo et qui lui ressemble étrangement. Voilà, c'est pour ça que Kenzo, en souvenir, vient voir sa première amoureuse. Comme Michiwa, pipi que doux. Le matin quand je me lève, j'ai tant de choses à faire. Moi je suis Michiwa. La conduire à Ezo, je crois, au taxidermiste. Et alors, donc, son petit corps est là-bas en train de reposer. Et bon, on l'aura d'ici 3-4 mois et elle reviendra à la maison. Franchement, je préférais ça parce que mon frère a été brûlé vif dans un accident de voiture il y a quelques années et ça m'avait vraiment marqué. Et bon, elle restera toujours là avec nous. Oui, on va continuer, mais au nom de Michiwa, le combat pour les petits chiens qui sont malheureux, mais au nom de Michiwa. Ce sont les amis qui sont là. Mmh. On n'oblige personne. Mmh. Les églises sont désertées, pour une fois qu'elles se remplissent, on ne va pas le critiquer. D'accord. Voilà, moi je ne suis pas croyante, mais je suis là. Ceux qui n'ont pas de chien ne peuvent pas comprendre. D'accord. Et chacun fait son deuil comme il veut. Celui qui est catholique peut venir à l'église, celui qui ne l'est pas fera autre chose. Les bêtes, c'est pire que moi. C'est-à-dire? S'il tient à 100%, quand je vois une bête sur le chemin, je pleure. Mmh. On peut voir ça. C'est génial, mais j'ai pleuré. Et oui, l'union fait la force. Moi, je suis Michiwa.